ZS2 version 2022. On est ici avec un agent immobilier ou agent immobilier, on peut dire ça. Et qui teste donc pour la première fois une voiture électrique. Exactement. Ok. Premières impressions, juste comme ça. Très bien. Très bien. Ok. Alors, maintenant, tu vas accélérer à fond. À départ fond arrêté. Vas-y. On y va. On y va. Et on est sur une route fermé, donc il n'y a pas de problème. Un peu flippé. Voilà. Le départ arrêté, comment tu l'as senti? Ça pousse. Ça pousse. Ça, ça pousse, pousse comme ta Golf? Avec moins de fumée. Avec moins de fumée, ouais. En termes... Les filles, vous aimez la voiture? Elle te... C'est une voiture que tu te verrais bien pour aller à l'école? Elle valide, hein. Je crois que les filles, elles valident. On va parler avec la patronne. Ah. surtout que là, à l'heure actuelle, il y a une prime à la reconversion d'une vieille voiture pour la casse. Donc là, ça serait peut-être intéressant de sauter dessus. Parce qu'il peut y avoir une reprise jusqu'à 6000 euros. Donc ce qui ferait ce véhicule-là inférieur à 30 000. D'accord. Et là, ça peut être intéressant. Parce qu'après, les économies du carburant, vu qu'il n'y a plus de carburant, on peut l'injecter sous forme de crédit, par exemple. Nous sommes dans les routes de campagne. Donc la tablette, bien sûr, elle fait GPS, Bluetooth, Android CarPlay. Donc tu peux avoir tes applications directement sur la tablette. Voilà. Il y a beaucoup de réglages. Tu peux même paramétrer pour que la voiture elle se charge seulement pendant les heures creuses chez toi. Voilà. Tu peux suivre la charge sur ton smartphone parce qu'il y a une application e-smart de chez MG. Là, on va prendre à gauche. Et tu peux y aller. Et puis ce gros moteur V8. On n'entend pas du tout. Hein. C'est plutôt réactif. Ouais, c'est le freinage, là, il est impressionnant. T'es impressionné par le freinage? Ouais, ouais. Alors, juste. Enfin, c'est même pas le freinage. C'est le frein moteur. C'est le frein moteur. Alors, en fait, c'est la régénération de la batterie. À chaque fois que tu lâches l'accélérateur, tu régénères la batterie. Tu la recharges. Ouais, mais il est violent. Oui, c'est violent. Ah, c'est. Mais après, on peut le faire moins violent. À peine lâché. Regarde, là, tu vois, il est moins violent. Et c'est beaucoup plus souple. Et c'est plus souple, mais ça recharge moins. C'est quoi là t'es ici. En mode, là, on est en mode 1, ici. D'accord, tu vois là ouais. Là, si je mets mode, mode 2, mode 2 ouais, et mode 3. Okay. Et là, mode 3, c'est celui qui recharge le plus. D'accord. Conduite à une main, tellement que le volant est souple. Ouais. Confortable. Elle est confortable. Confortable. Ok. Donc ça pour faire des visites avec des clients, ah bah. Là t'es roi du pétrole. Mais après, est-ce que ça serait pas un frein et qu'ils se disent, ouais, le monsieur il roule avec une grosse voiture de luxe. Ça veut dire, et parce qu'ils pourraient penser que cette voiture coûte une fortune. Exactement. Et du coup ils se disent, ah, ce monsieur il prend des grosses commissions. C'est ça. Alors qu'en réalité, cette voiture, on est proche d'une Zoé. Et la Zoé, par contre, elle a rien. En plus, elle a la reconnaissance des panneaux. Ouais. Hein? Là, après, il n'y aura pas d'autres. Mais tout à l'heure, il va t'indiquer, quand on va passer au panneau 70, il va te dire 70, ainsi de suite.
Comme j'ai l'habitude de dire, c'est une voiture presque pour blonde. Couture, elle est sympa aussi. Donc c'est la première fois que tu rentres dans une MG. La première fois, oui. Bah, même dans une électrique. Tout court. Ouais, dans une électrique tout. Parce que chez MG, il y a aussi la hybride. Donc, qui elle, par contre, a une petite autonomie en électrique qui est seulement de 52 km. Mmh. Voilà. Et sinon, c'est fait pour vraiment celui qui roule beaucoup. Et là à gauche. Et là à gauche, ouais. Tu fais un petit sourire là. Hein. Bon, c'est une voiture qui est pas terrible. Bah, honnêtement. Non, honnêtement, vas-y, lâche-toi. Non, honnêtement. Pour un électrique, vu qu'il a jamais essayé d'électrique, je valide. Tu valides ? Ouais, là je valide. C'est, ça serait une voiture, tu serais prêt à casser la tirelire ? Non, quand même pas. Ah, avec la directrice. Exactement. Avec la directrice des finances, d'accord. Ok. Sympa, sympa, sympa. Et alors, la voiture, elle est bien ? Ouais ? T'aimerais que papa, il l'achète une comme ça ? En plus, derrière. Ah non, il y a. Ouais. Ils ont de la place, hein. Parce que regarde, là, place. Au niveau des jambes, ah, là, elle est hyper loin. Ouais. Et surtout, chaque enfant peut avoir son USB. Donc, ils peuvent recharger leur Switch, leur Nintendo, tout ça, ils peuvent la recharger sans problème. Et en plus, comme c'est du cuir, bah, s'ils mangent des gâteaux au chocolat, c'est un coup de lingette, ouais, et c'est reparti. C'est le toit ouvrant panoramique qui s'ouvre en deux positions. Donc le comme ça et le comme ça. Regarde, il est beaucoup plus grand que sur la... Je vais pas citer la marque. Voilà. Les quatre vitres sont électriques. Et puis il y a aussi le rideau. T'as vu ça un peu là? Et en plus, tu peux demander à ce qu'il s'arrête par exemple ici. Ouais. Voilà. Si par exemple les filles elles dorment, ouais, pour éviter que le soleil les dérange. Exactement. Et l'arrière il s'ouvre aussi, non? Non, l'arrière il s'ouvre pas. C'est que celui de l'avant. Sympa, sympa. Et le frein il se met automatiquement, tu vois. Ouais. Là dès que t'as. Donc là, on est arrêté, entre guillemets. Il y a pas de... C'est ça que j'aime bien, il n'y a pas de plastique. Regarde, c'est molletonné. Là, ici, non, c'est pas du rigide. Il n'y a pas de plastique. Ah, tu touches partout. Hein. Effet brossé. Ouais. Effet piano. Laqué. Mmh. Et ici, les touches piano. Mmh. Pour augmenter, baisser la ventilation. Le son pareil. Et après, tu as vision 360 degrés. Où là, tu peux sélectionner même la caméra. Là, c'est le grand angle. Et ici, c'est petit angle. Mmh. Le côté. Et en plus, on a la vue ici de la voiture. Mmh. Ce qui fait qu'on sait que tu es bien parallèle à la route. Caméra frontale. Et puis, il y a ici. En trois dimensions. Véritable gadget. Et c'est la réalité, parce qu'il y a vraiment une 407 oui, oui, là-bas. Oui, oui. Hein, parce qu'il y a certaines voitures, elles s'amusent à faire un peu du n'importe quoi. Oui. Et là, c'est pas le cas. Et là, on est à nouveau en trois dimensions, donc vue aérienne, ici. Effectivement. Ah, c'est... Ouais. Et puis après, il y a pas mal d'applis. Tu vois, tu as le téléphone, donc ici c'est pour ton compte MG, les réglages du véhicule, parce que là-dessus, éclairage automatique, essuie-glace automatique, les pleins phares automatiques, feu d'accompagnement, c'est-à-dire la nuit quand tu éteins la voiture et qu'il fait nuit, eh ben, la lumière reste allumée pendant un X secondes que tu vas déterminer, et du coup, elle va t'éclairer pour la serrure, par exemple, ou trouver la bonne de ta porte. Il y a pas mal de choses. Tu peux regarder des films à l'arrêt. Tu mets une clé USB ici.
avec des films, ta playlist, etc. Tu peux écouter tes MP3 préférés, tes vidéos quand tu es à l'arrêt. Et là, tu as une prise directement pour téléphone portable. Ça, c'est rechargé aussi. Et ça, c'est tu poses son téléphone à induction et il le recharge. Impressionnant. Pas mal. Là, on a vraiment du très haut de gamme. La voiture, elle est complète en fait. Là, la seule option que tu pourrais rajouter, ça serait éventuellement l'attelage pour la remorque, éventuellement, mais c'est tout. Après, on peut faire une configuration noire ? Non. Non, ici, ça reste en blanc, comme ça. D'accord. Après, sur le Marvel, lui, par contre, tu peux configurer. Ouais. Mais là, c'est dans la version toute option. Après, sur la version confort, il n'y a pas le cuir, c'est du tissu à la place et il n'y a pas de toit ouvrant. Ça, c'est dans les grands. Le truc qui est vraiment tape à l'œil, c'est ça. Après, il n'y a pas de caméra 360, il n'y a pas le coffre. Au pied, là, ouais, voilà. Ah, bah, nickel. Nickel, bon, bah voilà. Allez, on part. Donc, lui, il reste allumé tant que tu n'as pas fermé la voiture. Et donc, bien sûr, c'est une clé comme ça, avec les boutons de l'autre côté. Mais tu peux laisser la clé dans ta poche sans l'utiliser. Ouais. Parce que pour fermer, tu appuies sur le bouton au niveau des poignées à l'extérieur et ça ferme la voiture. Pareil pour l'ouvrir. Ok. Je vous rends la clé, monsieur. Merci. Bon, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et les autres réseaux sociaux. À bientôt.